Shalom, je suis le maréchal de la brigade anti-sorcier, le prophète Joël Crasso. À cette date aujourd'hui du samedi 6 juin, nous sommes en plein, ici c'est l'hiver, hein, chez vous c'est l'été, pour ceux de la diaspora. Nous avons démarré nos activités, surtout sur la période des vacances. Ce soir, l'équipe part pour Abbeville. Nous aurons une grande croisade d'évangélisation qui va durer pratiquement une semaine pour Abbeville. Donc j'informe en même temps, mais par la grâce de Dieu, il y aura une permanence ici. Pour ceux même qui arrivent le 11, j'ai déjà la liste des gens qui arrivent le 11, mais il y aura une permanence par la grâce de Dieu, on aura l'occasion de recevoir les gens. Mais en même temps, c'est la période des vacances, on aura l'occasion de visiter comme ça pas mal de villages. Voilà, comme N'allez pas, on a le programme de N'allez pas, nous allons partir à N'allez pas. Nous allons aussi visiter au site qu'on appelle Issia. Nous allons aussi visiter pas mal de villages par la grâce de Dieu pour dire que c'est en stand-by. Le programme du village qu'on avait suspendu, on avait suspendu justement ça pour avoir assez de temps parce qu'on attendait les périodes telles que cette période est propice pour s'engager dans les villages. C'est vrai, toutes les excuses pour ceux à qui on a donné des rendez-vous pour les villages, qu'on n'a pas honoré ces rendez-vous. Vraiment, toutes les excuses, mais par la grâce de Dieu, on a honoré beaucoup de choses. Zikiso, il y a beaucoup de choses qu'on va essayer de faire par la grâce de Dieu. Nous sommes en train de nous organiser par la grâce de Dieu. Nous avons aussi mis un système en place ici au niveau du cabinet des cours de délivrance. Un système en place où, par la grâce de Dieu, tous les dimanches soirs, dans la soirée, ce serait spécial famille. C'est-à-dire, vous vous inscrivez au niveau du ministère, et vous dites où vous voulez que vos familles soient prises en cause par rapport à la délivrance. Nous, ça peut être trois, quatre familles. Nous allons nous arrêter à plus de séances de 4 familles par dimanche. Donc vous inscrivez parce que dimanche matin, ça serait les cultes. Maintenant, tous les dimanches soirs, ça serait des familles. Nous avons, par exemple, un exemple, la famille Crasso. La famille Crasso s'amène là, on finit, on prend la famille Crasso. La famille Zadi, la famille Nguraga, la famille, si vous voulez, la famille Boga. Donc on peut prendre les 4 familles. Donc vous voulez vous inscrire pour que vos familles soient aidées, ça serait tous les dimanches soirs. Autrement dit, si vous voulez nous inviter aussi dans les familles, il n'y a pas de souci. Où vous nous invitez aussi dans les familles, nous pouvons aussi dériger les points de famille. Mais en même temps, j'en profite pour annoncer le programme du Maroc. Ça tient bel et bien. Le programme du Maroc tient. Et bel et bien tient. Donc, si vous appelez, je vous donne le contact. Vraiment, essayez d'appeler maintenant pour les réservations au niveau du Maroc. C'est M. Giro Paul, au numéro plus 212. Je reprends plus 212. 643. 664. Plutôt 664, je reprends. Plus 212. 664, 81, 48, 92. Je reprends. Plus 212. 664, 81, 48, 92. Je reprends Maroc. Maroc, c'est à partir du 9 au 19 juillet. C'est du 9 au 19 juillet. L'équipe sera déjà sur place à partir déjà le 3 juillet. Nous allons dépêcher une grande équipe déjà pour préparer déjà mon arrivée au niveau du Maroc. Donc, il y a ceux qui veulent déjà entrer en contact avec le comité d'organisation sur place. Pour ceux qui ont des problèmes, qui vont avoir les problèmes de visa, si je vous ai bien dit, ne dites pas, vous partez pour une séance de prière, cherchez un visa touristique. Voilà, touriste, pour être rentré sur Maroc et précisément à Rabat. Voilà, nous aurons l'occasion de prier pour vous par la grâce de Dieu. Nous sommes en train de prendre toutes les dispositions en fait de pouvoir vous aider. C'est la période des vacances. Il n'y a pas de problème, on va au fur et à mesure communiquer en même temps les programmes. Donc, je rappelle. Le programme du Maroc, c'est à partir du 9 au 19 juillet. Vous avez M. Diropol, à qui j'ai dit coucou, qui est vraiment bien. Oui, le monsieur que j'apprécie de Zaroko d'ailleurs. Et j'en profite en même temps pour dire coucou aussi à Elisabeth Dobé, à Louise Oraga, aussi les bonnes femmes, les femmes qui se battent, n'est-ce pas, pour le bien-être, le suivi des Zaroko. Merci à coucou aussi, Jeannette. Merci à toutes les personnes de Zaroko. J'en profite à longtemps. Donc, je donne encore le contact de Maroc. Et plus 212 664 81 48 92. Je reprends. Plus 212 664 81 48 92. Voilà, donc c'est Maroc. Voilà, pour dire que le ministère est ouvert à tout le monde. Nous sommes prêts pour honorer les grandes croisades d'évangélisation. Très bientôt, vous allez avoir des images qui vont vous amener à comprendre que nos villages ont besoin d'être délivrés. Donc, nous serons la semaine prochaine à Beauville. Et vraiment, vous aurez tous les reportages, tout en images, en vidéo et tout ça, en photo, tout ça.
Donc, shalom, nous attendons. Soyez bénis.